le bricoler, forcément, tout à l'heure. Donc, ce que je commence à faire, c'est que je mets la bonne couche au-dessus du gâteau. Les étapes sont importantes. D'abord, au-dessus, comme ça, avec ma spatule qui commence à me servir. Je fais ça. Je mets une autre. Je ne fais pas trop de bricolage parce que sinon j'aurai trop de miettes aussi. Voilà, quand je fais ça, maintenant je pose ça au-dessus. Voilà. Et avec mon lisseur, je vérifie qu'ils sont alignés. Si ça colle en haut et en bas, c'est bon. Là, je pousse. C'est bon. Donc là, ça va. Et maintenant, ce que je fais avec ce qui me reste, c'est que je vais cette étape aussi. Est-ce que vous me donnez un autre tapis comme ça, si c'est bon. Suivez l'attention, je n'ai pas envie de salir la map. Ça fait sa licence partie. Hein. Donc du coup, je fais ça maintenant. Je mets la bande sous les bords comme je fais. C'est pour que ça aille vraiment en dessous de, du trou. Le trou qui est entre la plaque et le gâteau. Je peux mettre ici. Et je mets ma main ici, je n'appuie pas trop parce que les gâteaux n'ont plus pas trop appuyé. Donc voilà, et je fais ça. Vraiment pour que les trous là, ils se comblent. Dans le cake design, c'est pas facile, c'est du travail. Et maintenant, quand je fais ça, avec ce qui me reste, je vais maintenant aller couvrir. Je mets un bon coup, hein. Je ne repars pas deux fois sur le même endroit que l'instant. Je mets. L'ordre est important. Je vais commencer par le haut, puis j'ai bouché les trous du haut avant de faire ça comme ça. Donc, l'ordre est important. Si vous ne faites pas dans cet ordre, vous n'avez pas le même résultat. Là, c'est parce que j'ai essayé dans différents ordres, je n'ai pas le même résultat. Et j'ai compris qu'en fait, il faut vraiment respecter ce qu'on fait. Ce qu'on voit en tout cas. Même quand on fait une vidéo, on respecte ce qu'on voit dans la vidéo. Ok, maintenant mon truc qui polisse un petit peu. Et après maintenant, je vais utiliser mon lisseur. Du coup, l'excédent, je peux l'enlever. Donc, ce que je vous conseille de faire, quand j'ai posé le disque là en haut, d'accord, vous pouvez laisser quelques tensions pour que ça arrête de glisser. Parce que là, j'arrive plus à aller tout de suite. Mais l'avantage d'avoir eu les deux disques, c'est que quand je mets ça en bas, ça permet d'avoir tout droit. Si je n'avais pas de disque, ça allait être comme ça ou comme ça. Dans le disque en haut, c'est vraiment